Bonsoir Tahar Benjelloun. Oui, bonsoir. Et merci d'être en direct avec nous ce soir, écrivain, poète, membre du jury du prix Goncourt, écrivain francophone mondialement connu. Je voulais vous avoir avec nous ce soir pour parler de l'apprentissage de la langue arabe à l'école que le gouvernement entend renforcer, que l'Institut Montaigne dénonce comme étant lacunaire. Est-ce que vous avez une explication sur le fait qu'on ait du mal à enseigner l'arabe dans les écoles de la République française ? Ah oui, c'est un drame parce que l'école française devrait enseigner les langues principales, y compris l'arabe, qui concerne plusieurs millions d'enfants d'immigrés dont les parents viennent des pays maghrébins ou arabes. Ça aurait été très très bien. Il ne faut pas laisser ce clos, il ne faut pas laisser aux mosquées. Voir ce qui s'est passé. On a considéré que les mosquées n'étaient pas uniquement des lieux de prière, mais aussi des lieux d'apprentissage de l'arabe, qui devient parfois un prétexte pour faire passer... Ça, on le sait, Tahar Benjelloun. Ça, on le sait. Moi, je ne comprends pas pourquoi, majorité après majorité, on nous dit qu'il faut renforcer l'enseignement de l'arabe à l'école. Il y avait 4 postes ouverts au CAPES cette année. Pourquoi est-ce que c'est si crispant, cette question-là? Parce que la France laïque n'a pas pris une position nette vis-à-vis de la religion musulmane, et à qui il faut expliquer aux musulmans ce que c'est que la laïcité, sans que ce soit un drame, et leur expliquer qu'on est dans un pays où la religion est séparée des lieux du culte, de l'affaire publique, je veux dire, et que ce qui se passe pour les catholiques ou les juifs devrait se passer pour les musulmans. Or, ce discours n'a jamais été tenu à la plupart des musulmans en France. Et on laisse les choses se faire, et on voit maintenant l'Arabie Saoudite, le Qatar, d'autres pays, l'Iran aussi, la Turquie, financer soit des écoles, soit des mosquées, où on fait n'importe quoi, et l'État n'a aucun contrôle sur ce qui se passe à l'intérieur de ces villes-là. J'entends très bien, quand on est un foyer dans lequel on est de confession musulmane, on a envie que son enfant apprenne l'arabe, et si on ne trouve pas à l'école, on ira voir ailleurs, je comprends. Mais excusez-moi, mais on a aucun mal à apprendre le chinois, le russe, plein de langues étrangères. Aujourd'hui, moi je pourrais vouloir apprendre l'arabe pour des raisons tout simplement culturelles, parce que dans l'avenir, je me dis que le business se fera aussi avec les pays arabes, parce que j'ai envie de connaître les sciences et la médecine de la culture arabe, c'est pas que l'islam. Oui, tout à fait. Mais alors justement, ils confondent arabe avec l'islam. Ils oublient que le monde arabe ne fait que 10% des musulmans. Et que finalement, quand on enseigne l'arabe, ils pensent qu'on va enseigner l'islam. Or, on devrait laisser le champ libre à l'enseignement de cette langue d'une manière objective, parce que c'est une belle langue, c'est une langue importante, pas uniquement économiquement, mais culturellement. Et ça, depuis très longtemps, je me souviens d'une époque où il y avait un seul agrégé d'arabe dans toute la France, un seul agrégé, et parce qu'il n'y avait pas de poste, il n'y avait pas d'enseignement de l'arabe. Or, ça aurait été beaucoup plus intelligent de laisser ça se faire dans les écoles, plutôt que quand il y a un vide, ce sont les mosquées et les recruteurs pour des pensées plutôt intégristes qui prennent le relais. Merci Tahar Benjelloun, je coupe court, je vous remercie d'avoir répondu à mes questions ce soir, la liaison est en train de se dégrader, l'écrivain Tahar Benjelloun qui était en direct ce soir dans votre grand journal à 18h47.